Bonjour, je suis Vicky, la fille unique d'un milliardaire et la seule héritière de la troisième génération de l'aristocratie anglaise. En grandissant, on m'a toujours appelée bébé Nepo. Mais c'est tellement injuste. Si je devais résumer ma vie en une seule phrase, ce serait « Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. J'avais l'habitude de vivre une vie de princesse. Mon personnel de maison était dispo tout le temps pour répondre à mes besoins. Et la plus grande décision que je devais prendre chaque jour était de choisir la voiture avec laquelle j'irais à l'école. Pourtant, je n'étais pas la Regina George que tout le monde voulait que je sois. J'étais amicale avec tout le monde et je prenais mon éducation et mon talent au sérieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à la peinture. Vous voyez, mon père invitait même des stars mondiales juste à venir poser pour moi. Puis, j'ai été frappée comme par un éclair lorsque mon père a été impliqué dans un procès houleux et s'est retrouvé en prison. Du coup, nous avons dû dire adieu à tout. Oui, le manoir, le personnel, mais le pire coup a été de perdre Brad, le fils du majordome qui se trouvait être mon petit ami. Ma chérie, je ramasserai les étoiles du ciel si cela me ramène à toi. Eh bien, une fille doit survivre, alors j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vendu tous mes vêtements et mes bijoux. Mais bon sang, tous ces Prada, Gucci et Tiffany ne suffisaient toujours pas à payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Hey, utilise ça. Madame, votre carte a été refusée. Il est clair que vous n'avez pas assez de fonds et que vous devez donc repartir. Pardon? Quel culot! L'ingratitude! J'étais l'une de leurs meilleures clientes. Ce n'était pas comme si j'étais la deuxième Inventingana. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, sous ce pont rempli de sans-abri, à attendre désespérément que Brad me revienne. En attendant, j'avais au moins mes tableaux, ce qui pouvait être mon ticket de sortie, non? Mais bon sang, regardez. Ces gens continuent à les prendre pour écraser des cafards, tandis que d'autres les utilisaient même comme bois de chauffage. Et puis un jour, alors que mon ventre se plaignait de manque de nourriture, un groupe de charité s'est présenté. Ils venaient distribuer de la nourriture aux sans-abri. Je me suis levée pour en demander, mais cette femme m'en a empêchée. Regardez votre tenue tape à l'œil. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture aux nécessiteux. C'est déplacé. Non, 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 je suis aussi sans-abri. À ce moment-là, une bouffée du labo Santal 33 emplit l'air et une dame luxueuse émerge de la foule. Elle a fait signe à la méchante femme de s'en aller, puis a jeté un coup d'œil à mes dessins. Vous les avez peints? Oui, je peins depuis que je suis enfant. J'ai peint tout le monde, de Taylor Swift à Ronaldo. Impressionnant en effet. Je suis Diana, une veuve de grande fortune. Que diriez-vous de venir vivre avec moi en échange du partage de votre talent artistique dans mes portraits quotidiens? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes, puis j'ai tout de suite accepté. J'étais manifestement destinée à être riche. Il semble donc que je n'ai pas pu échapper à mon destin. Je suis arrivée à la villa en me disant que c'était génial et que j'avais enfin retrouvé mes marques. Mais ensuite, l'euphorie a été remplacée par un coup de massue lorsque Diana m'a présenté son fiancé. Brad ! Juste après cette présentation maladroite, j'ai éloigné Brad et je l'ai confronté. Comment as-tu pu me tromper comme ça ? Je vais le dire à Diana. Nous avons rompu. Et puis avoir des ex, c'est normal. Si tu dis à Diana que je suis ton ex, c'est toi qu'elle va jeter, pas moi. Je n'en revenais pas du culot de ce type. Et vous le savez, nous n'avons jamais rompu. Je ne pouvais pas rester un instant de plus avec cet abruti. Alors j'ai décidé de faire un portrait de Diana, puis de la quitter pour toujours. Seulement, elle a vraiment aimé ma peinture. En repensant à ces jours sombres sous le pont, j'ai réalisé que, eh bien, Brad était là, mais aussi un lit chaud, des repas réguliers, et quelqu'un qui aimait vraiment mon art. Cet endroit était suffisamment grand pour l'éviter de toute façon, non? Jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au jour où... Tout ce que j'ai fait, c'est demander à la femme de chambre de m'apporter un pinceau propre quand un type s'est mis à être grognon avec moi. Tu as des jambes, fais-le toi-même. Qui es-tu pour me parler comme ça? Bientôt le propriétaire de ce manoir, un problème? Laisse-la tranquille, le personnel est là pour ça de toute façon. La salle s'est soudain tendue quand Brad et ce type ont échangé des regards agressifs. Puis le type s'est éloigné froidement. Soudain, Brad m'a attiré dans un coin. Vicky, désolée de te l'avoir caché, mais je n'ai aucun sentiment pour Diana. Je suis ici pour l'espionner car c'est à cause d'elle que ton père est en prison. Je suis ici pour trouver des preuves et l'aider à retrouver son honneur. Waouh, quoi? Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu coopères avec moi. Ce type est Charles, le fils de Diana. Il va essayer de m'embêter. Alors nous devons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Tout s'expliquait maintenant. Je savais que Brad m'aimait vraiment et qu'il ne choisirait pas une vieille femme à ma place. Puis il m'a expliqué son plan. Il continuerait à séduire Diana et la persuaderait de me confier le tutorat de Charles, tandis que je devrais me lier d'amitié avec Charles pour lui soutirer des informations. Je me sentais un peu nerveuse, mais la possibilité de blanchir papa ne me laissait aucun doute. Cependant, Charles n'était pas du genre facile à approcher. Il était si brusque et impoli
et j'avais beau afficher mon sourire le plus amical, il ne m'adressait jamais plus de 6 mots. Faisons un peu de nature morte aujourd'hui, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Je faisais de mon mieux pour lui apprendre, mais il gribouillait sur la page et faisait toujours les pires dessins que j'ai jamais vus. Un jour, il a soudain insisté pour que nous allions faire des portraits en plein air et qu'il me dessine. Mon plan a donc fonctionné. Oui, je me suis mise debout avec enthousiasme et j'ai pris une pose élégante. Il faisait une chaleur étouffante, mais je l'ai supporté pour l'art. Mais cela faisait 4 heures et il ne semblait pas avoir terminé. Je n'en pouvais plus. Alors je me suis précipitée vers lui et je suis tombée des nues en voyant que sa toile était totalement vierge. Je suis furieuse. Calme-toi, Vicky. Peut-être Charles était-il comme un oignon avec de multiples couches qui attendaient d'être épluchées. J'ai donc décidé d'adopter une approche plus psychologique. J'ai demandé à Diana le livre de photos de Charles et j'ai vu une photo de famille. Il doit s'agir du père de Charles. Je l'ai peinte dans l'espoir que ce geste attentionné l'émeut d'une manière ou d'une autre. Le jour de l'anniversaire de Charles, je lui ai offert le magnifique tableau encadré. Contre toute attente, en voyant cela, son visage s'est assombri et son regard s'est enflammé. Il a furieusement jeté le tableau par terre et m'a crié dessus. « Disparais, je ne peux pas te supporter !»« Qu'est-ce que... Très bien alors !» Pourquoi ce type était-il si grossier? J'ai passé toute la semaine sur ce tableau. Quel psychopathe! J'étais en train de faire mes valises quand Diana est entrée dans ma chambre. Elle m'a expliqué que l'homme sur la photo n'était pas le père de Charles, mais son ex-petite amie. Le père de Charles est mort quand elle était petite, et c'est son ex qui s'est approché de Charles depuis. Pour Charles, il était le monde. Cet enfant était encore plus proche de lui que moi. Mais nous nous sommes séparés et il a disparu sans même dire un mot. Depuis, Charles est hostile et distant. Je ne savais pas que derrière son extérieur rocailleux se cachait une vérité si amère. Alors je suis allée le chercher. Charles, je suis désolée. Va-t'en ! J'ai peut-être l'air terrible maintenant, mais j'ai été la princesse de mon père. Il m'a donné tout ce que je pouvais demander, sauf son temps. Mes parents ont divorcé très tôt et je me suis retrouvée seule, comme toi, Charles. Cette solitude, ce désir de lien familial, je les partage avec toi. Voyant que sa main se desserrait, j'ai continué. Mon intention n'a jamais été de te rabaisser. Je ne voulais que combler le fossé d'incompréhension qui nous sépare. Charles restait toujours silencieux, mais les muscles de son visage s'étaient détendus. Et lorsque son regard a croisé le mien, il a claqué la porte. J'ai donc décidé de rester. Et même si Charles a continué à être grincheux avec moi, il a arrêté les farces. Lorsque Charles se concentrait sur quelque chose, il se transformait en une personne différente. Il tirait toujours la langue, ce qui était adorable. En voyant Charles dessiner comme s'il se battait avec le papier, je me suis approchée pour le guider. Mais soudain, nos regards se sont croisés. Il a des yeux si rêveurs. Oh non, Vicky, moins de ça. Tu es là pour prouver l'innocence de ton papa et retrouver la vie d'avant. Quant à Brad et moi, nous devions nous contenter des moments que nous pouvions passer ensemble. Quand tout cela sera terminé, nous pourrons être ensemble pour toujours et avoir un mariage plus somptueux que celui de toutes les Kardashians. Mon amour, tu dois être patiente. Nous serons bientôt ensemble comme il se doit. Cependant, quand tout le monde était là, Brad continuait à faire semblant d'être amoureux avec Diana. Je savais que c'était totalement faux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je ne pouvais pas rester là à sourire comme si tout allait bien. Alors après avoir fini de peindre, j'ai suivi Brad avec l'intention de lui demander quelle était la prochaine étape, après avoir réussi à approcher Charles, quand je l'ai aperçu en train de parler à quelqu'un. Hey papa, ouais, Diana est comme de la pâte à modeler dans ma main. Vicky a compliqué les choses, mais j'ai trouvé un plan pour la tromper. Je pensais que cette peste serait partie depuis longtemps, mais Charles ne l'a pas encore mise à la porte. Des idées ? La fureur tourbillonnait comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai instantanément foncé sur lui et je l'ai frappé au visage. Quoi ? Toi ? Attends que Diana découvre ça. Oh, oui. Si tu me défies, prépare-toi à perdre. Dis bonjour à tes copains du pont de ma part. J'ai immédiatement trouvé Diana et je lui ai parlé de Brad. Mais son visage est soudain devenu sérieux. Je savais que tu dirais n'importe quoi pour détourner la vérité. Mais je sais que tu m'as volé de l'argent. La femme de chambre l'a trouvé dans ta chambre. Volé ? Quoi ? De quoi tu parles ? J'ai alors regardé Brad et je l'ai vu sourire. Ce génie de la manipulation. Avant que je puisse essayer de me défendre, un personnel s'est précipité et a passé une lettre à Diana. Charles avait disparu. Tout le monde paniquait et refusait de m'écouter. Le chaos m'a laissée impuissante alors que mes affaires étaient jetées à l'extérieur de la villa. Maintenant, je me suis retrouvée au point de départ et j'ai complètement craqué. Le pire, c'est que je m'inquiétais pour Charles. Était-il déjà rentré ? Le lendemain matin, j'essayais d'esquisser quelque chose quand Charles est apparu de nulle part. Il m'a remis les clés de cet appartement petit mais confortable et m'a dit que c'était tout à moi. Stupéfaite mais aussi reconnaissante, je n'ai pas pu rester debout et je l'ai serré fort dans mes bras. Au fait, où es-tu allée ? Nulle part en particulier. Je me sentais étouffée alors je suis partie.
Cette fois, Charles était une personne différente à mon égard. Il me rendait visite tous les jours et m'aidait même à vendre mes peintures. Mes sentiments pour lui ont grandi et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était pleine de chaleur et d'affection. Et chaque moment passé ensemble ressemblait à un rêve devenu réalité. Seulement, je me sentais tellement coupable de lui cacher mon histoire avec Brad. Mais la peur de le perdre est plus grande. S'il savait que je l'avais approché avec des motifs cachés dès le début, il me mépriserait à jamais. Mais je devais au moins lui dire quelque chose. Fais attention à Brad. Je ne pense pas que ce soit un bon gars. Je sais. Il fait partie d'un réseau d'escroqueries à la romance, visant les femmes riches pour les faire chanter. Waouh ! Charles s'y connaissait en la matière. Attendez. Cela signifie-t-il que Brad avait l'intention de me faire chanter aussi quand j'aurais été riche ? Je vais le dénoncer lors de leur mariage. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le grand hall est noyé dans une lumière éthérée. Au centre se trouvaient Brad et Diana, prêts à échanger leurs vœux pour la vie. Tous les regards sont fixés sur eux. Soudain, la salle entière est devenue sombre et un visage anonyme est apparu sur l'écran derrière eux. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre marié. À l'insu de beaucoup, notre Brad Thomas est en réalité Jackson North, né et élevé en Pennsylvanie par son père Richie North, le chef d'orchestre d'escroquerie, visant à tromper les femmes riches en les mariant et en les dépouillant de leur fortune. C'est alors que les preuves de l'affection de Brad pour d'innocentes victimes ont commencé à apparaître à l'écran. Après cela, les projecteurs se sont immédiatement arrêtés sur Brad qui était sur le point de fuir la scène. Diana, en colère, s'est précipitée sur lui tout de suite et lui a jeté un verre de vin à la figure. Toute la foule s'est mise à murmurer. Attendez tout le monde, la fête n'est pas encore terminée. Vérifiez vos menus pour trouver l'autre complice. Tout le monde a vérifié frénétiquement, puis a regardé avec stupéfaction pour voir que tous les menus étaient vides. Tous, sauf le mien, où il y avait une photo de moi et Brad. Donc, depuis le début, Charles était déjà au courant de ma relation avec Brad, et il pense que je suis la complice de Brad ? Je me tourne vers Charles, mais il me lâche immédiatement la main. C'est fini. Pendant tout ce temps, Charles m'a joué un mauvais tour, et m'a même cru capable d'une chose vraiment horrible. Je lui ai dit de me rejoindre au bord de ce lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela fait une heure qu'il n'est pas venu. Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil de notre relation. J'étais sur le point de lâcher prise quand je l'ai vu se diriger vers moi. « Charles, écoute-moi. Je ne suis pas avec Brad. J'ai essayé de te mettre en garde contre lui. » J'ai entendu toute la conversation sournoise de vous deux, vos mots d'amour et votre plan dégoûtant sur ma famille. Puis mon détective privé m'a envoyé ces photos de vous deux ensemble qui m'ont prouvé que j'avais raison. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner ? Pas toi. Brad, c'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je pensais que tu étais mon ami. Et je pensais que nous étions plus que des amis. Brad et moi sommes sortis ensemble dans le passé, mais c'est tout. Il a essayé de m'utiliser, comme il a utilisé d'autres personnes. Mes sentiments pour toi sont réels, tu dois me faire confiance. Et alors ? Je n'étais pas au courant de l'arnaque. Je suis désolée d'être tombée dans les mensonges de Brad et de t'avoir approchée. Il m'a dit que ta mère était impliquée dans la chute de mon père. Et je voulais tellement que mon père soit innocent que je l'ai cru bêtement. Charles n'a pas prononcé un mot. Il s'est juste retourné et parti. Mais attends, puis-je te demander, pourquoi n'as-tu pas rendu public mon visage sur cette photo avec Brad ? Je voulais que tu saches ce que c'était d'être blessé. Mais je ne pouvais pas supporter de te voir blessé. Laisse-moi partir, j'ai besoin de temps. Puis il m'a laissé là, le regardant disparaître dans l'obscurité, tandis que le monde autour de moi s'effondrait. Après la pluie, le soleil brille à nouveau. La police a finalement rattrapé Brad et son père et les ont enfermés tous les deux. Diana m'a retrouvée et s'est excusée. Elle m'a demandé de retourner à la villa et de peindre pour elle, mais j'ai refusé. Je ne peux pas continuer à être aussi confiante et à compter autant sur les autres. Il est temps pour moi de croire en moi et de voler de mes propres ailes. Et surtout, je ne pouvais plus le regarder en face. Bonjour, c'est Vicky, encore une fois, mais d'une version plus raffinée. Après tant de sueurs et de larmes, j'avais enfin réussi en tant qu'artiste. Je venais d'être choisie pour collaborer sur un important projet artistique avec cette grande entreprise. Et ma vie allait tourner une nouvelle page en ouvrant cette porte. Charles ?